tout le monde, bienvenue sur Grandeur Nature. On est ici dans la vallée de Saint-Moritz, c'est un petit peu, on va dire, le Chamonix de la Suisse. Lieu, disons, très fréquenté par rapport aux sports d'hiver, le ski de fond, les raquettes et compagnie. Là, je suis un peu plus loin dans la vallée, j'ai trouvé un coin sympa. Cela fait un petit moment que je marche déjà, je vais donc bientôt me poser, faire le bivouac. Aujourd'hui de nouveau, bienvenue dans le projet Grand Froid. Ils annoncent pour cette nuit moins 27 degrés ici dans la zone. On verra si j'arriverai à les avoir. Déjà, est-ce que les prévisions seront correctes? Est-ce que le lieu exact jouera? Parce que des fois, c'est une histoire de dizaines de mètres. Hein. Si on remonte un petit peu, on sort de la poche de froid ou comme ça. Donc, je vais voir. Je me mets en forêt quand même parce qu'il y a une bise, un vent du nord qui est quand même assez pointu. Le ressenti était donné déjà vers les moins 29, moins 34, suivant les endroits dans la vallée. Donc on ne va pas non plus exagérer. C'est une forêt de mélèzes, donc c'est assez ouvert, assez clairsemé en fait. Le vent passe quand même. Hein. Je vous reprends juste après, on va aller faire le campement. Je suis en train de chercher à m'abriter un peu. Là, c'est un endroit qui a l'air pas mal. Le vent vient depuis là, hein, nord-est, on va dire. Du coup, ça fait une espèce de trou. Voilà, donc ça me permettrait de me mettre là-bas dans cette cuvette-là, que je pourrais creuser encore un peu, être protégé par cette petite colline, ce petit talus-là. Il y a bien 1,50 m de neige, hein, à peu près. J'ai pas chômé, hein. J'ai pas chômé pendant tout ce temps. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Voilà, donc en fait, moi je vais dormir avec le sac ici. J'ai quand même creusé, je suis venu ici, c'était beaucoup mieux. J'ai fait aussi un coin pour le feu là, avec un petit banc pour s'asseoir sur le bord. Et puis j'ai quand même préparé une place plus loin, grande, pour pouvoir éventuellement monter la tente quand même en pleine nuit si ça allait pas. Je vais prendre cette sécurité là, il y a des jolis rayons de soleil, c'est parfait, je vais démarrer le feu, je vais encore attendre un petit peu quand même. J'essaie d'être un petit peu discret dans la vallée. J'ai enterré le feu, comme ça on ne le voit pas de loin. Je suis tranquille en forêt, pas en zone protégée, donc tout va bien. Mais malgré tout, j'essaie d'être un peu discret.
On voit bien les différentes couches hein, qu'il a neigé. On a eu d'énormes avalanches en Suisse, un grand danger. Et ça, c'est typiquement, c'est ce grain. C'est vraiment comme ça coule, hein, comme du sable à gros grains en fait. Et ça, ça fait un toboggan, un tapis, comme des microbilles qui font rouler des autres couches qui sont dessus, un peu plus lourdes et mouillées. Donc c'est vraiment une période dangereuse. Le soleil est tombé, il fait moins 9. Ça va tomber, je pense, assez rapidement. Bon, ben, tout va bien, joli feu, joli bivouac qui fait moins 12, ça descend quand même pas mal rapidement, j'espère que ça ira, j'espère que ça ira comme ça à la cow-boy comme on dit, à la belle étoile. Ah, on a toujours un petit peu des appréhensions, c'est la première fois que je dormirai comme ça, sac de couchage à moins 27 annoncé, je ne sais pas si on y arrivera. Mais alors quand j'ai fait le premier essai
Avec le downhugger, là, l'expédition, c'était moins 19. Donc moins 19, c'est pas moins 27. Et puis j'étais quand même dans sous-tente. Donc j'avais quand même une protection avec les dépôts de l'humidité, le gel, le vent, même un peu d'air, hein, ça peut quand même changer pas mal la nuit. On verra donc qu'est-ce qui m'attend. J'hésite à quand même monter la tente pour qu'elle soit là, prête pour au cas où. C'est moins rigolo de sortir du sac de couchage, de monter la tente en pleine nuit. Faut s'habiller, enfin voilà. Est-ce que je fais ça ou est-ce que non, ça va le faire, on y va. Et puis go quoi. Alors j'ai prévu avec moi un morceau de Tyvek pour pouvoir protéger de tout ce qui va se déposer sur le sac de couchage, pour pouvoir couper un peu le vent aussi. Donc une espèce de grande bâche comme ça. Le Tyvek, c'est un tissu, c'est des fibres en fait qui sont mises ensemble à plat, et puis c'est pas tout à fait imperméable. Disons que ça retient l'eau, ça laisse passer un peu, un peu comme un Gore-Tex si on veut, pas tout à fait, mais voilà, c'est beaucoup moins technique. C'est ce que je mets sous les tentes aussi. Allez, 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 allez. Ça va aller. Le downhugger, il est donné à moins 21. Moins 21, température limite. C'est ce qu'ils donnent eux. Confort, moins 13 ou moins 14. Moins 21, la limite. Donc, voilà, c'est un peu. C'est du test. On va voir. On va voir. Alors, de toute façon, je vais devoir m'habiller, hein. Ce que je vais faire, c'est que je prendrai avec moi différents habits, dans le sens, bon, je vais de toute façon m'endormir avec les caleçons longs. Caleçons longs, un top en mérino, col roulé, manche longue. Et puis je mettrai dans le sac de couchage une doudoune en apex, en synthétique. Peut-être prendre les wraps, les pantalons aussi dedans. Donc je pourrais comme ça si jamais m'habiller, mais directement dans le sac. Ça a plus de charme qu'un feu, hein? Bon ben mon feu il arrive bientôt au fond. Je commence à toucher le sol là. Ça fait un bon petit cratère de bien 80 cm à 1 mètre. Et puis là ça commence à descendre pas mal la température. On va aller voir ce que ça dit. Ouais, on est à moins 14. Bon, maintenant il faut que j'active là un peu, il faut que je fasse à manger. Ce soir c'est un curry rouge thaï poulet. Puis ensuite il faut que je monte vraiment le campement et puis que je me mette dedans assez rapidement. Ça va plonger là, moins 14 déjà maintenant, il est 7h, presque 8h. Donc ça descend quand même bien. Bon, là il commence à faire vraiment, vraiment, vraiment froid.
J'ai mes mains, comme elles sont un peu mouillées, elles collent au trépied, quoi. Alors, on disait donc... Un peu de sauce. Hein, monsieur Chebest, qu'est-ce que vous en dites? Ça le fait? Hop, hein, un peu de neige, hop, voilà. Fabuleux. J'ai donc fait de l'eau chaude à profusion. J'ai rempli les deux thermos, bien chaud pour la nuit. Donc pour l'eau c'est bon. Et puis voilà, ben après je vais manger tranquille. Ça c'est une petite poêle, assiette en titanium. Alors c'est pas génial pour cuire parce que ça colle très vite hein, au fond. Donc faut bien remuer régulièrement. Mais c'est vraiment un poids, voilà, c'est ça qui est chouette quoi. C'est 200 grammes l'assiette. Il y a quand même une bonne capacité là. Tout est bien dans le meilleur des mondes, comme on dit. C'est royal avec un feu. Hein. Bon là, c'est bien. Je vais vite aller voir la température. Quand tu es en statique comme ça, tu peux vite prendre froid. C'est vrai que le feu, c'est toujours quelque chose, ça change tout. Hein. Quand tu as le feu, tu as envie de faire la nuit blanche. Voilà, mais après, il faudra quand même que je m'active un peu parce que après, il faudra se coucher. À un moment donné, j'aurai plus de bois. Puis là, ça va changer. Alors là, j'ai empilé un peu les couches, j'ai mis les thermowraps par-dessus les pantalons alpins, ça va tip top. J'ai sorti une autre parka ici, la permafrost, c'est assez redoutable, plus costaud aussi. Comme j'ai fait du bois et puis tout, je me suis dit bon je vais quand même un peu l'aménager, l'autre, la mirage. Ah on est bien là, on est bien. Il y a tout qui gèle. Tu poses, c'est hallucinant. Tu poses ta poêle, ça gèle direct. Regarde sur le bord, c'est gelé là. Avant, je remplis mon thermos, je le ferme, je vais le poser. 10 minutes après, je me dis ah mince, je vais boire un coup. Je vais le bouchon était déjà gelé quoi. On va faire la vaisselle. Un peu de neige sur le feu et ça nettoie. Ah. Ok. Il est foggy. Alors, on va le mettre là, mon coco. J'aime pas les chauds froids. Hein. Pauvre. Pauvre, pauvre. Thank you.
C'est un hôtel 1000 étoiles. Waouh. Trop beau. Tant qu'il n'y a pas une avalanche, c'est parfait. Voilà, j'ai cette fameuse bâche en taille-vec, bricolée pour l'occasion. Voilà mon petit coin installé, le duvet va gonfler gentiment, c'est pour ça que je l'ouvre maintenant. Ça fait bizarre parce qu'on se dit ah, il était tout bien emballé, on le met au froid, mais en fait c'est important avant d'aller se coucher que le gonflant ait vraiment bien le temps de revenir. Donc je le laisse tranquille, il y en a déjà pas mal hein, d'épaisseur, et puis je le couvre comme ça, c'est tout tranquille. Bon, il peut aussi y avoir de la neige qui tombe depuis là-haut un petit peu, mais je l'ai déjà secoué. Et maintenant, c'est tellement gelé qu'il n'y a plus rien qui va tomber. Ok, ben, je vais encore profiter un moment du feu et puis j'irai me coucher gentiment. Ça devient difficile de filmer là parce que ah, ça commence à vraiment faire froid aux mains. Mais je vous dirai un petit bye bye, un petit bonne nuit. En attendant, je vous fais profiter du feu. Bon, alors maintenant, le gros gag, ça va être se mettre au pieu. Donc, moins 19 à ce thermomètre, moins 21, il vient de passer moins 21 à la station à Samédan, c'est le petit village qui est juste un peu plus bas là. C'est une petite vallée, il y a Samédan là-bas, puis moi je suis sous la montagne ici. Voilà, c'est possible hein, que j'ai 2-3 degrés de différence. Ça met dans le village, il est vraiment au fond de la vallée. Moi, je suis un tout petit peu plus haut, de 50 mètres à peu près. Ça peut déjà faire une petite différence. Voilà, toujours est-il qu'ils annoncent moins 30 pour demain matin vers 7 heures à Samédan. Là, c'est la station officielle météorologique de Météo Suisse qui annonce ça. Actuellement, ils ont moins 21, des poussières. On va voir ce que ça donne. Le sac a bien pris son gonflant, ça doit jouer. J'ai mis dedans tout ce qu'il faut pour dormir. J'ai un thermos. Je viens de faire pipi. Et il va falloir que je fasse tout ça maintenant. Alors, pour se déshabiller, n'est-ce pas? Voilà. On s'achetait le Xterm
sans isolation dessous. Allez, 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 allez. Hop, hop, hop. Ah ouais, alors ça change tout de suite hein, quand on enlève les couches là. Ouh. Youhou. Oh la vache. Comme ça. Mais quelle idée. Mais quelle idée. Allez. Ah, on bouge. On bouge juste avant de se mettre dans le matelas. Les chaussons. C'est intéressant, il y a du gel. Ça a gelé ici sur le dessus. Intéressant. Ça a gelé ici. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une bonne isolation parce que j'ai rien senti. Excellent. OK. Ça va dedans. Je vais mettre ces bordels là-dedans. Les bottes dans le trou. Ouh, il fait froid. Le dessus du chausson est gelé. Je pense que la chaleur du pied arrivait en contact avec le plastique extérieur. Puis ça a gelé. Il faudrait un... Ouais, là on voit bien. Hein. Intéressant. Oui. Là, maintenant faut enlever ça. Striptease. Hop. Pyjama. Yep. Là. Hop. Alors ça, on va le mettre là-dedans. Ok, là, deuxième botte. Bon, là il y a du monde là-dedans. Oui, il n'y a plus de place. Ah oui, je vais mettre le bœuf. Allez, bonne nuit.
Bonjour. Là, il fait moins 24. Il fait moins 24. Il y a eu presque moins 30 à Saint-Médan. Pas tout à fait, moins 29, 7, je crois. Et il y a eu moins 27 ici. C'est le maximum que c'est descendu. Donc, c'est pas descendu au moins 30. C'est déjà pas mal, hein. Puis moins 24 au réveil. J'ai pas envie de sortir du duvet là. C'est bien allé. C'était une belle nuit étoilée, très calme, pas un souffle de vent. Ça c'est chouette. C'est chouette et très belle expérience, pas de problème notoire. J'ai quand même mis à la fin, j'ai mis ma petite doudoune en Apex que vous verrez après. C'est une micro doudoune en fait pour un petit peu aider. Et j'ai mis dans le sac les chaussons en plume. Je les ai mis assez tôt au début parce que j'arrivais pas à me réchauffer les pieds en fait. Juste pour un petit rappel, la plume ça ne réchauffe rien, hein. Ça ne fait qu'isoler quelque chose à la température à laquelle elle est, cette chose. C'est comme un thermos, si vous mettez de l'eau froide dedans, ben, ça la gardera froide et vice versa. Mais donc comme je me suis couché avec les pieds un tout petit peu froid lors de la préparation, en enlevant les chaussures, etc. J'ai eu un peu de la peine à les réchauffer. Du coup, j'ai mis les petites bottines, les chaussons en plume. C'est allé super vite. Et puis, je crois, 2 heures après, je les ai enlevés parce que j'avais trop chaud. Je les ai remis ce matin. Je pense que le moins 21 limite confort, on va l'appeler comme ça. Le moins 21 limite confort, c'est juste dans le sens où ben voilà, je suis allé à moins 27, mais avec une micro-doudoune rajoutée, j'ai quand même une polaire dessous, j'ai les chaussons en plume, bonnet, enfin voilà. Donc c'est une limite, disons, où on commence à s'habiller de plus en plus. Mais voilà, moins 27, moins 24 ce matin, là je suis tout bon, tout chaud, tout va bien. Le seul problème que j'ai eu, par contre, c'est mon matelas Exterm qui s'est dégonflé, qui s'est légèrement dégonflé. Et par deux fois, j'ai dû le mettre un petit coup de souffle. Hein. Je suis sorti faire un petit pipi. Le soleil se lève là, sur les montagnes en face, c'est magnifique. Alors maintenant, il y a une opération plus difficile. Sortir et s'habiller. Oh, ça pique le nez. Hein. Oh. Alors ceux-là, ce matin,
Je sens que je vais les apprécier. Quand je me suis levé cette nuit, moins 27, les doigts, à ces températures, c'est assez fou, hein. Les doigts, ça va très très vite. Tu te lèves, le fait de toucher la fermeture éclair froide, le sac de couchage qui est tout givré ici dessus, d'aller pisser un coup, de revenir, se mettre dedans, retoucher le sac de couchage, la fermeture éclair, déjà ça fait mal aux doigts. Et puis il faut un moment pour se les réchauffer. Ah, j'ai de la glace au bout du nez. Ah, il fait froid là. Ah. Bon. Opération pantalon. Oh la vache. Pas les petits boutons, s'il vous plaît, pas les petits boutons, mon belle. Ah, des crochets. Ah. Yep. Oh là 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 là. Thank you.
fait quand même un bon volume, mais quand on réfléchit à ce que je viens de faire, il les faut, il les faut, c'est sûr. Là, il se compacte bien, hein. C'est quand même superbe d'arriver à ça. On voit ici température de confort moins 13, température limite moins 21, température extrême, à pas vraiment prendre ligne de compte, mais c'est juste pour donner une information, combien de temps pourrait tenir quelques heures avant de mourir. C'est un peu ça, si on veut, moins 44. Là, j'étais à moins 27. Confort en soi, j'étais confortable, si on veut. J'ai dû m'habiller plus, donc c'est un petit peu différent. Pour moi, la zone de confort, c'est en slip et puis un t-shirt. Voilà. Pieds nus ou juste des chaussettes, un slip, un t-shirt. Et puis ça, c'est le, à mon avis, comme ça que doit être pensée la température confort. Donc, moins 13, mais sans problème, hein, même à moins 19, le dernier bivouac. J'étais complètement hyper chaud là-dedans. J'ai tout enlevé, caleçon long. Et puis, c'était vraiment tranquille, quoi. Donc, à partir de moins 20, moins 21, je dirais, c'est là où on met un petit peu des habits. Et puis du coup, leur température de limite dont ils parlent, pour moi, c'est la limite confort. Puis ensuite, on s'habille un peu. Puis là, j'ai pu pousser jusqu'à moins 27. Et puis, je pense que j'aurais pu aller plus loin, moins 30. Ça aurait joué moins 32, 33, je pense là. J'avais pas encore les pantalons, les thermavrap dedans, donc j'étais juste en caleçon long. Donc en mettant les pantalons, ça aurait encore un peu aidé. Mais après, il faut commencer à mettre des plus grosses doudounes, des choses comme ça, quoi. Mais j'avais encore de la marge. Je pouvais encore y aller en m'habillant plus, tranquille. Après, sous tente, alors on peut y aller encore bien plus loin. Mais vraiment fabuleux, fabuleux, fabuleux. Tip top. Je vais faire un suivi par rapport à tout ce matériel. Je vais faire des revues détaillées, précises de chaque élément, bien sûr. Mais je vais faire aussi une liste de matériel complète, de tout le matériel hiver que j'ai ici. Tout compris, hein, pelle, raquette, la totale. En expliquant un petit peu comment ça a fonctionné, qu'est-ce qui était bien par rapport aux associations, qu'est-ce qui a joué, qu'est-ce qui était un petit peu plus compliqué, etc. Thank you.
Thank you.